Collègues. Bonsoir. Donc je vais donc ouvrir la séance de notre conseil municipal et comme d'habitude en premier lieu et formellement je vais procéder à l'appel des membres pour m'assurer du quorum. Donc Franck Louvrier présent, Laurence Briand. Présente. Jean-Philippe Dupuis. Présent. Daniel Rival. Présente. Xavier Lequéré. Présent. Annabelle Garand. Présente. Christophe Mathieu. Présent. Delphine Filloux. Présente. Bruno Misset. Présent. Sophie Massard. Présent. Bertrand Plouvier. Présent. Sophie Douchin. Présent. Nicolas Père. Présent. Alors, Nathalie Hazard a donné son pouvoir à Stéphane Burban. Bruno Denis. Présent. Sophie Peureux. Présent. Jean-Yves Levédé. Présent. Caroline Glon m'a donné son pouvoir. Pascal Mabi. Présent. Karine Chalier. Présent. Jean-Christophe Perriot. Présent. Stéphane Burban. Présent. Anne-Laure Berry. Présent. Sandrine Le Vouédec. Présent. Philippe Mandin. Présent. Jean-Yves Gontier. Marina Marchais. Présent. Caroline Leroux. Présente. Laetitia English. Présente. Luc Domo. Présent. Dany Lamy. Présente. Jacques Renaud. Anne Boyer. Présente. Donc la condition de quorum est remplie du conseil. Je sollicite Anne-Laure Berry pour prendre la charge du secrétariat de cette séance. Je la remercie d'accepter. Avant de dire quelques petits mots, je poursuis en vous proposant l'approbation du procès-verbal de la séance du 24 février dernier. Qui a donné lieu à relecture préalable et à la prise en compte d'observations. Est-ce qu'il y avait des observations supplémentaires, complémentaires ou des observations, des questions? Non, écoutez, je vous mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Donc le procès-verbal du 24 février 2023 est adopté. Quelques petits mots avant d'examiner nos délibérations. Ce 32e conseil municipal correspond à quelques jours près à la moitié de cette mandature. C'est donc le moment de dresser un peu partout les bilans de mi-mandat, comme vous avez pu le voir dans la presse. Il ressort un fait inquiétant qui touche l'ensemble du pays, l'augmentation des atteintes aux élus locaux. C'est pourquoi, au nom de notre conseil municipal, je voudrais exprimer toute ma solidarité à Yannick Morel. Yannick Morel, qui est le maire de Saint-Brévin, c'est un élu qui ne fait qu'exercer ses responsabilités propres à son mandat, mais a néanmoins été victime d'un attentat ignoble à son domicile le 22 mars dernier, après avoir déjà reçu des menaces de mort. Nous ne pouvons que condamner, bien évidemment, ces déchaînements contre des élus de la République. Je partage le souhait de l'Association des maires de France de renforcer des sanctions envers ceux qui portent atteinte aux élus, quels qu'ils soient. Malheureusement, nous devons en être conscients. Il y a moins de respect envers cette fonction. En 2020, ce sont 233 maires qui ont été agressés. Les maires sont à portée de baffe, comme l'on dit. Maintenant, ils sont à portée de haine. Ce phénomène est aggravé par le spectacle affligeant que l'on peut voir à l'Assemblée nationale depuis plusieurs mois, où le comportement de certains discrédite totalement la représentativité politique. Il y a un an, le suicide bouleversant d'Hervéno, maire de Rosay, avait déjà traduit le quotidien de plus en plus difficile des élus locaux qui connaissent une pression grandissante des menaces, du harcèlement moral et parfois des violences physiques. Il ne faut pas oublier que les maires et leurs équipes municipales sont au charbon jour et nuit, devant prendre des décisions qui ne plaisent pas toujours à tout le monde et aussi confrontés à des situations de détresse sociale au quotidien. L'édile municipal est souvent le premier recours et hélas, souvent aussi, le dernier espoir de ceux qui se sentent oubliés. Le constat est implacable. 900 élus ont démissionné en 2 ans. Personne n'est jamais forcé de briguer un mandat, mais ceux qui le font, malgré les difficultés que cela peut représenter, sont d'abord motivés par l'envie de se rendre utile dans l'intérêt commun. À ce titre, ils méritent particulièrement le respect, et je tenais à le réaffirmer ce soir. Je voudrais donc rapidement revenir sur notre bilan de mi-mandat que vous avez pu découvrir dans notre bulletin trimestriel. Ce numéro de printemps est un peu spécial.
Outre un entretien exclusif que nous a accordé Christelle Morancet, la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, il correspondait à la mi-parcours de notre municipe, au moment où il convient de faire le point et de dresser un premier bilan. Je ne vais pas revenir dessus, ce bulletin est suffisamment étoffé. Je voudrais juste souligner que nous avons rempli en 3 ans plus des 3/4 des engagements pris lors de la campagne électorale, qu'ils soient déjà réalisés ou en cours de réalisation. Je voudrais aussi, au passage, remercier les minorités ou oppositions qui, à leur façon, ont contribué à ce bilan, malgré des désaccords logiques et naturels en démocratie. Elles se sont aussi montrées constructives en respectant ainsi les règles du débat. Mais surtout, je voudrais, avec les élus de la majorité, associer pleinement à ce bilan l'ensemble des agents municipaux de la ville. C'est en effet le résultat du travail d'une seule et même équipe, eux et nous. Si ce sont les élus qui fixent les lignes directrices et lancent les impulsions, ce sont les agents qui les mettent en place et les transforment pour reprendre une image rubistique du moment. Cette réussite est aussi la leur, c'est véritablement un résultat en commun. Sans leur travail, leur disponibilité, leur abnégation, leur sens du service public, nombre de ces actions n'auraient pu être réalisées aussi rapidement et efficacement. Sans eux, pas de service public municipal de qualité dans notre ville. Dans cet esprit d'équipe, j'ai une pensée particulière pour une agent estimée de tous qui nous a quittés récemment. Je tiens à exprimer mes pensées qui vont à sa famille et à ses proches. Je sais que Xavier Le Quéré en parlera tout à l'heure. Au-delà de l'humain, il a pu aussi y avoir des moments de difficulté et de désaccord. Il a d'abord fallu apprendre à se connaître mutuellement, comprendre la façon de fonctionner des uns et des autres, appréhender les contraintes humaines et techniques, puis un changement de DGS et une réorganisation des services sont apparus nécessaires. Certaines habitudes ont alors été bouleversées, bousculées, ce qui a pu créer un contexte de revendication sociale, d'autant plus exacerbé en période d'élection syndicale. Parce que nous sommes tous des personnes responsables, nous avons su dépasser ces difficultés et ces différends et avancer dans le sens de l'intérêt commun de Labo, les Scoublacs et de ses résidents. La réorganisation des services a également permis de constater que certains d'entre eux devaient être étoffés en personnel et en matériel. Je remercie ici les directions de services qui ont été des relais très utiles. Oui, ce bilan municipal est le fruit d'élus et d'agents qui travaillent ensemble, mais il ne faut pas non plus céder à la satisfaction. Il nous reste 3 ans de mandature et les tâches à réaliser restent nombreuses. Si nous gardons cet esprit d'équipe, cet état d'esprit, ce dont je ne doute absolument pas, nous y parviendrons et c'est encore ensemble que nous aurons la satisfaction du travail fait au service des Bauloises et des Baulois. Tout à fait autre chose, nous avons reçu hier la visite dans un cadre privé de M. Hervé Berville, le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, après sa rencontre avec les représentants de la filière pêche. Sa fonction est d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la mer, sous ses différents aspects, nationaux comme internationaux, notamment en matière d'économie, de rayonnement et d'influence maritime. En présence de quelques élus, des représentants de la SNSM et de personnes dont l'activité est étroitement liée à l'océan, nous avons eu des échanges très riches sur ces enjeux qui nous concernent en premier lieu. Entre autres choses, le ministre a été particulièrement intéressé par notre modèle innovant de ponton solaire qui va être installé avant l'été dans le port de Labo-le-Pouliguen, le premier de la façade atlantique. Nous avons également évoqué, dans le cadre de la réhabilitation de notre promenade de mer, l'étude que nous lançons sur la possibilité d'installer une station de désalinisation de l'eau de mer pour des usages qui ne nécessitent pas qu'elle soit potable, comme l'arrosage, les sanitaires ou le nettoyage des voiries. Il me paraît important d'aborder ce sujet de la gestion de la ressource eau, concomitamment aux annonces hier du président de la République dans les Hautes-Alpes. Dans ce domaine encore, nous n'avons pas attendu que ce problème devienne médiatique pour agir, bien avant même le plan de sobriété énergétique que nous avons adopté à la fin de l'été dernier. Ainsi, à notre arrivée en 2020, les consommations totales de la municipalité étaient en augmentation croissante et représentaient en 2019 88 201 m3, ce qui est très important. Nous avons donc déjà pris des mesures visant à réduire cette consommation. Dès la première année, nous étions descendus à 64 059 exactement m3 et en 2022, nous sommes arrivés à 61 129 m3. 2 axes ont été suivis, des actions pour mieux maîtriser les consommations
des compteurs d'eau potable de la ville et la réalisation d'économies d'eau sur les espaces verts. Trois types d'actions ont été menées pour mieux maîtriser notre consommation dans les bâtiments municipaux. D'abord, le suivi précis des consommations, ce qui s'est traduit par la généralisation de l'installation de compteurs d'eau dits intelligents, permettant de suivre sur l'année la consommation et de traiter notamment des anomalies. Ensuite, l'installation de cuves à récupération d'eau pluviale. Actuellement, 6 sont déjà installées, d'une capacité variant de 5 à 50 mètres cubes, dans les complexes sportifs Burban, Gaillardon, Fontenoy, le Sporting Tennis, la Villa Speranza et la Villa des Roches Rouges. Et l'utilisation de ces eaux pluviales sont récupérées et variées par exemple le lavage de la voirie, l'arrosage des terrains de sport, j'y reviendrai, en herbe, l'arrosage des espaces verts, les toilettes, l'arrosage des cours. Dorénavant, tous les nouveaux projets font systématiquement l'objet, dans la mesure du possible, d'installation de cuves à récupération des eaux pluviales. Enfin, l'installation de matériel spécifique permettant de réduire les consommations d'eau potable, sans aucune incidence pour les utilisateurs, sur 7 sites identifiés comme consommateurs importants, l'hôtel de ville, les trois groupes scolaires Bois-Robin, Paul Minot et Guézy, le complexe Gaillardon, le stade Moreau-Desfarges et la salle des Floralies. Le procédé consiste à installer des aérateurs régulateurs sur les robinets pour un gain estimé entre 30 et 50% d'économie d'eau sur les points équipés, des douches autorégulées pour une économie estimée entre 30 et 50% et des plaquettes perforées dans les réservoirs des chasses d'eau pour un gain de 20 à 30% d'économie. Le bilan effectué après une année d'utilisation a permis de réaliser une économie d'environ 3500 m3 sur les sites précités, ce qui représente environ 14 000 euros d'économie. S'agissant de la réalisation d'économies d'eau sur les espaces verts, trois configurations différentes se présentent. Premièrement, l'entretien des espaces verts. Il existe un plan de gestion différencié de ces sites qui évolue perpétuellement pour analyser l'entretien de chacun et avancer sur une gestion plus environnementale en cherchant à moins entretenir, moins arroser et favoriser la biodiversité. Par exemple, le paillage des massifs permettant un gain d'arrosage de plus de 50% a été généralisé. Le goutte-à-goutte est favorisé, ce qui baisse très fortement les besoins en eau. Deuxième configuration, l'aménagement d'espaces verts. Dans les aménagements massifs sont utilisés un maximum de plantes nécessitant peu d'eau. À titre d'exemple, celui du talus de l'hôtel de ville, que vous voyez en arrivant, va permettre une réduction d'au moins 70% d'eau par la sélection de plantes adaptées aux conditions difficiles, exposées au soleil ou au vent salé. Enfin, troisième configuration, le cas particulier des terrains de sport. La principale consommation d'eau se situe au niveau de l'entretien des gazons sportifs. L'arrosage d'un terrain nécessite annuellement entre 3000 et 6000 m3 d'eau, suivant sa surface, son sol et le niveau d'exigence pour son entretien. L'arrêt total d'arrosage en été nécessiterait une rénovation ensuite complète à l'automne en pleine reprise, ce ne serait pas très judicieux, et pose aussi des problèmes, bien évidemment, d'utilisation, car accidentogène pour les sportifs lorsque le terrain est trop dur. Pour concilier la nécessité de consommer moins d'eau en permettant aux administrés de pouvoir poursuivre leurs pratiques, il faut donc obtenir d'autres sources de désalinisation, comme la désalinisation. J'ai demandé donc au service d'étudier cette possibilité sur plusieurs sites de la ville. Nous avons ainsi baissé la consommation d'eau municipale de près de 30% en 3 ans, ce qui n'est pas rien. Enfin, avec Annabelle Garand, en partenariat avec Cap Atlantique, nous avons mis en place depuis novembre un programme de sensibilisation des écoliers aux économies d'énergie et aux enjeux du changement climatique. Je crois que le prochain atelier aura lieu prochainement. Et donc, ce sera celui de l'eau, bien évidemment. Cette année, ce sont les élèves de Bois-Robin qui en bénéficient. Nous souhaitons étendre ce programme l'année prochaine à l'ensemble des écoles de la commune. Il me semblait important d'intervenir ce soir sur ce sujet de la gestion de la ressource eau afin de favoriser la prise de conscience de chacun sur son importance. Une nouvelle fois, la mairie de La Baule se montre aux avant-postes des enjeux de développement durable. Nous allons donc aborder les 9 délibérations fixées à l'ordre du jour. Et donc, pour la première délibération, je vais donner la parole à monsieur Jean-Philippe Dupuis. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous, chers collègues. Par délibération du 15 novembre 2019 et dans le cadre expérimental de la mise en place du compte financier unique
appelée CFU, notre ville applique la nomenclature budgétaire et comptable M57 pour le budget principal et les budgets annexes, location des salles et legs-bush. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, le compte financier unique se substitue au compte administratif et au compte de gestion. La nomenclature utilisée prévoit l'instauration d'un règlement budgétaire et financier qui définit les règles comptables et financières applicables pour la préparation des actes administratifs et valables pour la durée de la mandature. Ce règlement budgétaire et financier s'articule autour des points suivants: le cadre budgétaire, l'exécution budgétaire, la gestion du patrimoine, les opérations financières, la gestion de la dette, la gestion des garanties d'emprunt et les régies. Il décrit notamment le rôle stratégique de chacun des acteurs, les modalités de préparation et d'adoption du budget par notre conseil municipal, les règles de gestion par notre exécutif, des autorisations de programme et d'engagement. Je vous propose donc d'approuver le règlement budgétaire et financier joint à la présente délibération. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Dupuis. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou des observations sur cette première délibération? Madame Boyer. C'est juste une remarque. C'est une lecture un peu ardue, mais très, très instructive. Et je pense que c'est à avoir sur son bureau à chaque fois qu'on parlera finances. C'est vraiment très, très, très important. Donc, c'est bien d'avoir en ce moment cette lecture tout de même. Merci, madame Boyer, avec un livre de mathématiques en plus. C'est parfait. Ça sera, si je peux me permettre, ça sera la Bible de la commission des finances. Voilà, merci. Bon, il y a d'autres Bibles, hein, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette délibération? Non? Écoutez, je propose qu'on mette aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Alors, délibération suivante, qui est un contrat avec SNCF pour la réalisation d'une visite détaillée de la passerelle des Floralies. Et donc, je donne la parole à Xavier Lequéré. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. À la suite de la dernière visite d'expertise de l'ingénierie SNCF réalisée sur la passerelle piétonne des Floralies, enjambant la ligne ferroviaire de Saint-Nazaire au Croisic, il a été constaté un défaut d'assainissement, des parements béton altérés, des éclatements de béton et des fers apparents. L'expertise de la SNCF préconisait une intervention en deux temps. Une phase 1, travaux de réfection d'étanchéité et sécurisation des appuis par ajout de corbeaux métalliques. Phase 2, nettoyage des parements, réparation des zones de béton dégradé, revêtement de protection éventuelle et diagnostic des bétons permettant de caractériser les éventuelles pathologies du béton. Les travaux de la phase 1 demandés par la SNCF et des opérations de sécurisation ont été menés par la commune en 2017 et 2022. Toutefois, la dégradation du béton semble se poursuivre. Dans ces conditions, et selon les termes de la convention de gestion de l'ouvrage, la ville de La Baule sollicite la SNCF Réseau pour engager la phase 2 des travaux préconisés en 2016. Afin d'en définir le programme, la réalisation d'un diagnostic béton doit être envisagée. Il consiste en une inspection de l'ouvrage, la réalisation de prélèvements par carottage d'essais et de tests dans le laboratoire. Pour ce faire, la ville de La Baule sollicite SNCF Réseau pour réaliser la rédaction des pièces techniques, cahier des charges en vue d'une contractualisation à la charge de la ville de La Baule-Escoublac auprès d'une entreprise compétente, l'accompagnement et une mission de sécurité pour l'intervention sur site et la validation du rapport et l'assistance pour la définition d'un programme des travaux avec, selon le planning retenu, le complément apporté par l'inspection de l'ouvrage prévu en 2023. Pour l'ensemble des prestations détaillées dans le CCP, la rémunération de la SNCF Réseau est de 14 325 euros hors taxes. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat SNCF pour la fourniture d'une prestation ponctuelle dans le cadre d'une visite détaillée de la passerelle des Floralies. Merci, monsieur le Quéré. Vous voyez, on attaque la deuxième partie de ce quartier. Après le pont Chevrel, c'est la passerelle des Floralies. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce sujet? Oui, je vous en prie.
Oui, merci, monsieur le maire, et bonsoir à tous. Juste une chose qui m'interpelle. On nous indique dans la délibération que les phases 1 et les phases 2 préconisées précédemment par la SNCF avaient été réalisées. La phase 2 prévoyait déjà un diagnostic béton. Donc, finalement, il est à refaire. C'est voilà ce qui m'interroge. Est-ce qu'il a été erroné? Est-ce qu'on n'avait pas eu de bonnes indications pour avoir à le refaire? Merci. Monsieur Le Quiré. Alors, en fin de compte, c'est par rapport à la dégradation qui s'accentue. On est obligé de refaire, en fin de compte, un audit sur la phase 2, de façon à pouvoir, en fin de compte, faire justement les préconisations au niveau des interventions par la suite, en 2023. Et il est nécessaire de le faire. Madame Marchais, c'est bon ? Il y a d'autres questions sur ce sujet, sur ce projet ? S'il n'y en a pas, je vous propose que l'on mette aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Délibération est adoptée. Alors, délibération numéro 3, qui est l'approbation d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour les travaux sur le réseau d'alimentation en eau potable, allée de la Masse. Et donc, je laisse la parole à Xavier Le Quiré. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de l'aménagement du lotissement de l'Hermione, situé à l'aide de la Masse au Guézi, la ville a l'obligation de renforcer la canalisation d'eau potable pour pouvoir répondre à la réglementation en matière de défense incendie. Ce projet relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage. La ville de La Baule et Scoublac en matière de défense extérieure contre l'incendie, Cap Atlantique au titre de ses compétences en matière d'eau potable. La ville et la communauté d'agglomération ont donc décidé de se rapprocher pour rédiger une convention fixant les modalités relatives à l'opération et à la répartition financière. La communauté d'agglomération assure la maîtrise d'œuvre intégrale de l'opération et reste compétente sur le réseau d'alimentation en eau potable. L'opération consiste en la pose d'un réseau en diamètre 125 sur 100 mètres linéaires. Le montant estimatif des travaux est de 21 000 euros hors taxes répartis. De la façon suivante, l'aménageur France Lot a proposé une offre de concours à hauteur de 10 500 euros hors taxes. La ville propose le financement résiduel pour un montant de 10 500 euros hors taxes. En conséquence, je vous propose d'approuver la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage ainsi que la répartition des coûts induits des travaux concernant le renforcement de l'eau d'alimentation en eau potable pour l'aménagement du lotissement L'Hermione et d'autoriser monsieur le maire et son représentant a signé la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage ainsi que tout autre document afférent à ce projet. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Le Quiré. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce quartier qui est aussi en travaux, notamment avec Auguste Caillot ? Oui, madame Rival. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Moi, je me déporterai sur cette délibération, s'il vous plaît. Merci. Très bien, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations ? Non. Eh bien, écoutez, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Elle est adoptée. Alors, délibération numéro 4, qui est l'approbation de la convention d'objectifs et de moyens avec la MJC pour l'accueil de mineurs en accueil collectif de mineurs, ACM. Et donc, je demanderai bien sûr les déports de à la fois tous les élus qui siègent à la MJC, c'est-à-dire Christophe Mathieu, Delphine Filloux et Dany Lamy. Et donc je laisse la parole à Karine Chalier. Oui, bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Je voudrais juste faire une petite aparté sur ce que disait monsieur le maire en début de séance sur l'importance de la gestion de l'eau, puisque lundi, nous emmenons le CMJ visiter la station d'épuration de Livry à Guérande pour sensibiliser les jeunes sur le circuit de l'eau. Voilà, donc on a une année thématique sur l'énergie et l'eau et on commence par notre territoire. Voilà, merci. Alors je poursuis sur cette délibération, approbation de la convention d'objectifs et de moyens avec la MJC pour l'accueil des mineurs en accueil collectif, ACM. Au printemps 2022, la ville a mandaté un audit sur l'accueil des mineurs en ACM, donc pour l'accueil collectif de mineurs de 3 à 12 ans, organisé par deux associations bauloises qu'elles subventionnent depuis de nombreuses années. Ce diagnostic partagé avec les associations concernées a été le point de départ d'une réflexion commune avec pour objectif d'être en adéquation avec les besoins des familles, sécuriser et harmoniser le service et aussi professionnaliser et monter en compétence le personnel et les services
Tout ceci afin de pérenniser et de former les équipes. Dans le cadre de l'organisation de sa politique enfance-jeunesse et à l'issue de cette démarche d'analyse, il appartient au conseil municipal de retenir les modalités d'organisation les plus appropriées pour ce service public facultatif. À ce titre, le projet de réorganisation de l'accueil de mineurs en ACM prévoit la reprise des activités périscolaires de l'association périscolaire La Baule par la Maison des Jeunes et de la Culture, donc la MJC, à compter du 1er septembre 2023. La convention proposée au conseil municipal permet de sécuriser juridiquement les relations de la ville avec la MJC, mais également de préciser l'objet du partenariat, le mode de financement et les obligations respectives. Elle prévoit la mise en place d'une gouvernance partagée avec la création d'un comité de pilotage et d'un comité technique associant à parts égales la ville et l'association MJC. La convention d'objectifs et de moyens est proposée pour une durée de 3 ans et préfigure à terme la mise en place d'un contrat de délégation de services publics. Je vous propose donc d'approuver ce projet de convention et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer ainsi que tous les documents administratifs afférents. Merci. Merci Madame Chalier. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Boyer. Oui. Je vais voter évidemment pour cette convention qui a été examinée en commun entre l'association MJC, la directrice et la municipalité. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Cependant, je pense que dans la MJC, c'est une charge nouvelle qui arrive, une grosse charge, et qu'il est important de ne pas oublier l'autre compétence de la MJC, qui est la partie culturelle, et pour laquelle, finalement, c'est presque pour cela que l'association a été créée et existe, et est formée de bénévoles qui sont très, très attachés à la partie culturelle. Donc ce sera peut-être un deuxième volet qu'il faudra examiner entre la municipalité et la MJC, de voir comment faire vivre cet aspect culturel, en n'oubliant pas que la MJC est installée dans un bâtiment qui s'appelle le Centre culturel Saint-Exupéry, donc cette partie culturelle, et aussi toutes les animations d'ateliers qui sont aussi rattachées à l'aspect culturel, donc il ne faudra pas les oublier. Et pour montrer cette culture qui est en vie à la MJC, il y a actuellement une exposition faite par une portraitiste de ce portrait qui mérite vraiment le détour, et je vous encourage vraiment à aller voir. En plus, il y a un hommage à Samuel Paty qui est vraiment très très touchant, donc je vous encourage vraiment à aller voir cette exposition. Merci beaucoup Madame Boyer. Madame Garand. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, alors en préambule, je vais remercier toute l'équipe de la MJC qui nous a suivis également sur ce projet, parce que sans eux, on n'aurait pas pu bien évidemment aboutir à cette convention. Nous n'oublions bien évidemment pas l'aspect culturel et qui fait partie de l'ADN de la MJC. Cependant, il est vrai que là, on va vers une orientation où on veut clairement sécuriser l'accès au périscolaire. Pour nous, c'était vraiment fondamental. Vous savez que c'était sur un modèle associatif qui arrivait un petit peu à bout de souffle et qu'on ne pouvait pas se permettre sur une ville comme la nôtre de ne pas avoir d'accueil périscolaire pour nos familles. Et il nous a semblé logique de confier les clés de cet accueil à la MJC qui fait déjà un excellent travail auprès de nos jeunes. Effectivement, on est en train de poursuivre avec eux la manière dont on va pouvoir co-construire cette nouvelle modalité d'accueil pour les jeunes en conservant leur ADN culturel. Mais ça se fera... Alors, je l'annonce, mais vous le savez probablement déjà, hein, le centre de loisirs donc de la MJC va déménager sur Paul Minot à partir de cet été, ce qui veut dire que les mercredis et pendant les vacances scolaires, les 3 à 12 ans se retrouveront sur le site de Paul Minot, qui va permettre de mettre les petits dans l'espace maternel et les plus grands dans la belle enceinte de Paul Minot au milieu de la forêt, pour pouvoir du coup, suivre un programme pédagogique que nous espérons enrichi et non pas appauvri. Merci beaucoup. C'est vrai que l'état d'esprit est de garder le principe d'éducation populaire. Esprit soufflé par Léo Lagrange. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions à ces délibérations? Des abstentions? C'est adopté. Alors, délibération suivante, qui est le protocole de résiliation de la convention entre la SAS, les grandes vacances et la ville. Je laisse la parole à Christophe Mathieu. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Par convention du 25 mai 2022, la ville a mis à disposition à la société Grandes Vacances des locaux à La Baule-Escoublac situés dans le complexe du Sporting, 6 avenue de l'Étoile, et du Garden, 6 avenue Gabriel, aux fins d'exploitation d'un espace bar-restaurant. En contrepartie, un loyer mensuel a été versé à la ville.
Après plusieurs mois d'activité, il est nécessaire de conclure un protocole transactionnel pour mettre fin à la dite convention et ainsi donner suite à la demande de la société Les Grandes Vacances, faisant état de la difficulté personnelle. Il est donc convenu que la mise à disposition des sites s'est arrêtée le 28 février 2023. L'occupant a procédé à la libération des lieux. Des engagements financiers ont été pris entre la ville et la société Les Grandes Vacances, définis dans le protocole transactionnel. Aussi, je vous remercie de bien vouloir m'autoriser à signer ce protocole. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des observations particulières ? Oui, je vous en prie. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Alors, nous aimerions savoir, donc, suite à l'investissement effectué, ce qu'il va devenir des locaux, bars et restaurants suite à la fin de ce contrat entre la SAS, Les Grandes Vacances et la ville. Merci. Bonne question. Je laisse monsieur Christophe Mathieu répondre. Donc, suite à la fin de la mise à de cette convention, on est en train de travailler avec l'association pour essayer de trouver une façon de prendre le lieu avec donc le clubhouse, comme on l'appelle, afin de mettre en place et de trouver une solution dynamique et énergique pour le club, afin que l'association puisse retrouver une belle sérénité avec ce bel écran. En fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? S'il n'y en a pas d'autres, je vous propose de mettre aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Alors, délibération numéro 6, qui est la contribution exceptionnelle au profit du parc naturel régional de Brière. Il y a donc les élus siégeant au parc et au comité syndical doivent se déporter. Donc moi-même, bien sûr, Bertrand Plouvier et Pascal Mabie. Et je laisse donc la parole à Bruno Denis. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, par courrier en date du 7 février dernier, le président du parc naturel régional de Brière, monsieur Rick Provost, a sollicité auprès des maires des collectivités membres du parc une contribution exceptionnelle pour 2023 permettant de consolider les finances du syndicat mixte afin de pouvoir mettre en œuvre le programme d'action 2023. Les villes sollicitées sont les villes ne percevant pas de dotation biodiversité, à savoir Saint-Nazaire, Guérande, Pontchâteau, Montoire-de-Bretagne et La Baule-Escoublac. Le montant de la contribution exceptionnelle a été revu à la baisse et a été fixé à 0,1 euro par habitant, mais selon le critère population DGF, malheureusement. La population DGF de la ville de La Baule pour 2022 est fixée à 29 952 habitants. Ne cherchez pas la différence de 13... qui manque. Le montant de la contribution de la ville pour cette contribution exceptionnelle 2023 est donc de 2 995,20 €. Il s'agit d'un montant toutefois maximal pouvant être revu et réévalué à la baisse en fonction de l'ajustement du compte administratif 2022 du parc. En conséquence, je vous propose donc de valider le versement de cette contribution exceptionnelle au parc naturel régional de Brière, en précisant que les crédits sont inscrits au budget 2023 et en rajoutant que les communes qui bénéficient quand même d'une aide qui leur est allouée pour pouvoir contribuer payent également de leur côté. Nous nous en sommes inquiétés dans le cadre de la commission finance et avons eu la confirmation de ce fait. Merci beaucoup, monsieur Denis. Est-ce qu'il y a des interventions ? Madame Glich. Oui, merci monsieur le maire, bonjour à tous. Avant de se prononcer sur cette délibération, pourrions-nous avoir quelques explications sur le caractère exceptionnel de cette subvention ? Car sauf erreur, il s'agit de contribuer au fonctionnement normal du parc de Brière. La somme est peu importante, j'en conviens, mais il s'agit d'argent public. Et je sais que d'autres communes ont reporté cette délibération dans l'attente de quelques explications de la part de son président. Merci. Monsieur Bruno Denis ou Bertrand Plouguet, comme vous voulez. Donc, mes chers collègues, cette délibération qui est présentée ce soir a fait l'objet d'un débat lors du dernier comité syndical du parc naturel régional de Brière. Beaucoup ont été interpellés effectivement par cette demande, mais cette demande nous a paru justifiée par rapport au programme en lien avec la biodiversité mis en place par le parc naturel régional de Brière. Comme l'a précisé mon collègue Bruno Denis, la plupart des communes touchent une subvention au titre de la biodiversité et donc c'est sur cette part de subvention qu'elles vont reverser au parc. La Baule, Saint-Nazaire, Guérande et les autres communes qui ont été citées ne touchent pas cette subvention biodiversité. C'est pour ça que ce soir, nous sommes appelés à cette contribution exceptionnelle.
votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Parc ? Non. Écoutez, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? La délibération est adoptée. Délibération suivante, qui est la délibération numéro 7, qui est l'attribution d'une subvention d'investissement à la Société des concours hippiques de la Baule. Et je laisse la parole à Jean-Philippe Dupuis. Merci, monsieur le maire. Le jumping international de la Baule s'inscrit aussi dans une démarche de développement durable et de réduction des déchets. La Société des concours hippiques de la Baule souhaite pour cela notamment procéder à l'achat de matériel, sèche-main électrique, afin d'éviter tous les déchets de papier qu'on retrouve, et achat de supports pour permettre la végétalisation de sa double étage et la récupération des fleurs. Dans ce cadre, je vous propose d'autoriser le versement d'une subvention d'investissement de 15 000 euros au profit de la Société des concours hippiques. Les crédits sont inscrits au budget 2023. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Madame English. Oui, merci, Monsieur le maire. Si j'ai bien compris, donc, il s'agit notamment de financer l'achat de distributeurs de gel hydroalcoolique pour équiper le stade François-André. Dans la mesure où le stade appartient à la collectivité, pourquoi ne pas réaliser directement cet investissement au lieu de voter une subvention à l'association qui gère le concours ? Monsieur Dupuis. Alors, ça n'est pas des distributeurs de gel alcoolique, ce sont des appareils électriques. Ce sont des appareils électriques sèche-main qui vous permettent d'éviter d'utiliser du papier, papier qu'on retrouve au début dans les corbeilles et qu'à la fin, on retrouve dans tous les lieux du jumping. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au niveau de l'installation, il est plus facile que ça soit le jumping qui s'occupe lui-même de l'installation pour des problèmes de marché, d'appel de marché, de temps. Là, comme le matériel restera sur le lieu qui appartient à la mairie, ça reviendra automatiquement à la mairie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou autres ? Il n'y a pas ? Oui, monsieur Jacques Renaud. Oui, juste une question peut-être innocente. Pourquoi ils ne prennent pas sur leur budget propre de demander une subvention supplémentaire ? Je ne comprends pas très bien. Ben, tout simplement. Deux secondes. Je reprends. C'est une, attention, c'est une subvention d'investissement. Hein. Mais bon, monsieur Dupuis. Ça n'est pas de fonctionnement, c'est d'investissement. Il ne faut pas oublier que les appareils resteront fixés, donc deviendront automatiquement propriété de la ville, qui est propriétaire des locaux, alors que la Société des concours hippiques n'est que locataire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces sèches-mains ? Bon, écoutez, je propose de mettre la délibération aux voix. Oui, monsieur Dupuis. Il y a un déport à prévoir. Ah bon, donc, c'était pas indiqué. Christophe Mathieu, Bertrand Plouvier, Jean-Yves Leluédé, Nicolas Père. Très bien, c'est noté. Ça me permet de les mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? La délibération est adoptée. Délibération suivante, qui est l'attribution d'une subvention à l'Orchestre d'harmonie de la Baule. Et je redonne la parole à monsieur Dupuis. Merci, monsieur le maire. L'Orchestre d'harmonie de la Baule Escoublac est un ensemble d'une cinquantaine de musiciens amateurs, jeunes et adultes, qui a pour but de promouvoir et de développer la pratique instrumentale collective. Placé sous la direction d'un chef d'orchestre, il a vocation à donner des concerts publics gratuits sur la Baule. Il participe également aux différentes cérémonies commémoratives de la ville. Le chef d'orchestre assure la préparation du répertoire, fait travailler les musiciens, organise les répétitions et dirige les concerts. La subvention proposée à votre vote de 3 000 euros a pour objet de permettre d'acquitter uniquement divers frais de fonctionnement de l'orchestre. Je vous propose, monsieur le maire, de faire valider cette délibération. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur cette délibération ? Madame Boyer.
Oui, une partie de la population de la Baule trouve que l'harmonie municipale, on ne la voit pas vraiment beaucoup dans la Baule. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas possible d'insister vraiment pour qu'à chaque cérémonie, elle soit présente, voire animée par exemple le jour de la fête de la musique, ce serait quand même quelque chose d'important, puisque finalement, c'est une des obligations de l'harmonie d'animer un petit peu la... Donc, voilà. Monsieur Misset. Bon, pour ce qui me concerne et les cérémonies publiques patriotiques, je rencontrerai le chef de l'harmonie dans les jours qui viennent pour fixer avec lui les modalités de participation de l'harmonie à ces cérémonies. Normalement, elle devrait jouer tout lorsque les cérémonies ont lieu les jours fériés et les dimanches. Merci. Et puis éventuellement sur d'autres manifestations culturelles aussi. Monsieur Jacques Renaud. Oui, j'avais exactement la même question que Madame Boyer, donc c'est parfait. Et vous avez eu la bonne réponse, alors. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations musicales? Non. Mais écoutez, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Elle est adoptée, pas en musique, mais presque. Alors, délibération numéro 9, qui est l'autorisation du maire à signer le marché d'entretien d'espaces verts sur la commune de La Baule et Scoublac. Je laisse la parole à M. Jean-Philippe Dupuy. Merci, Monsieur le maire. Une consultation ayant pour objet l'entretien d'espaces verts sur la commune de La Baule et Scoublac a été initiée le 24 janvier 2023 sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Je vous proposerai de signer ce marché public préalablement validé par la commission d'appel d'offres le 14 mars avec la société IDVRD installée à Vigneux-de-Bretagne pour un montant maximum annuel hors taxe de 220 000 euros, soit 264 000 euros TTC. Le marché est conclu sans montant minimum, marché à bon de commande, renouvelable pour 3 ans supplémentaires. Je précise que ce marché est destiné principalement à la direction environnement et cadre de vie pour l'entretien des espaces verts, élagage, dessouchage, entretien des délaissés, taille de haies et de végétaux. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Madame Boyer. Oui, donc cette délibération me pose vraiment beaucoup de problèmes, mais pas qu'à moi, je pense, pour plusieurs raisons. La première, c'est que 220 000 euros, enfin, donc en fait 264 000 euros annuels renouvelables 3 ans, c'est quand même énorme pour des espaces verts. Pour la commune, c'est quand même. Alors on me dit que c'est un maximum, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dépenser ceci, il n'empêche que c'est ce qu'on va voter. Et ça me pose d'autant plus de problèmes que je me suis exprimé souvent dans ce cadre. Externaliser un certain nombre de travaux quand logiquement on peut les faire en interne, c'est quand même toujours un problème. Or là, on nous demande d'externaliser une partie de l'entretien des espaces verts. Donc on se dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entretenir ceci avec nos services à nous, qui sont tout de même importants? Donc j'entends qu'il y a une diminution du personnel parce qu'il y a des départs en retraite qui n'ont pas tous été renouvelés, ce que j'entends bien sûr, mais c'est quand même un petit peu embêtant. J'entends aussi qu'on me dit qu'il y a beaucoup, c'est vrai, l'entretien des espaces verts à La Baule est quelque chose de très très important, nous en avons beaucoup, et on s'en réjouit d'ailleurs, parce que ça nous donne un cadre de vie très très agréable. Et c'est vrai que même si on reconnaît qu'il y a un essai d'une gestion vertueuse de ces espaces verts, plus écologique, et que il faut reconnaître que cette gestion souvent demande encore plus de personnel. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire, bah, tant pis, on le fait. Simplement, 264 000 euros annuels, c'est quand même, ça, ce n'est pas acceptable. En commission, on avait discuté de ceci, et c'est la troisième chose qui me gêne vraiment, c'est que nous n'étions pas d'accord là-dessus en commission, donc on était quasi unanime à ne pas être d'accord sur cette délibération, et on nous la redonne ici en conseil municipal, donc vraiment j'ai plus d'une raison pour ne pas pouvoir voter cette délibération. Merci beaucoup, Madame English, allez-y.
Merci, Monsieur le maire. Je vais aller dans le même sens que Madame Boyer. Sur la forme, je m'étonne effectivement de la présentation de cette délibération ce jour en conseil municipal, alors qu'à l'unanimité des présents à la commission, qu'ils soient de la majorité ou des minorités, il avait été décidé de la retirer. L'avis de la commission finance était donc négatif. Sur le fond, je vois plusieurs problèmes. La délibération présentée ce soir prévoit l'attribution d'un marché à hauteur de 220 000 euros hors taxes, montant maximum annuel. Le marché est pour 3 ans, ce qui représente 660 000 euros pour l'entretien des espaces verts. Le marché qui aurait dû être passé était de 55 000 euros par an sur 4 ans. En tout cas, c'est ce qui nous a été présenté en commission. Après questionnement, le besoin réel du service s'établit à moins de 55 000 euros par an. Au regard de ces éléments, pour ma part, j'aurais déclaré le marché infructueux et j'aurais fait usage du marché à bon de commande. Donc je m'interroge vraiment, pourquoi maintenir cette délibération, d'autant que le budget disponible en sous-traitance pour les espaces verts pour 2023 n'a été budgété qu'à 195 000 euros. J'entends bien, on m'indiquera que 220 000 euros, c'est un montant maximum. Mais en définitive, la délibération qui nous est présentée ce soir ne correspond aucunement aux besoins du service de la commune et à ce qui a été budgété. Par ailleurs, je m'interroge également sur le recours très fréquent à des prestataires extérieurs. Nous avons fait le point sur les effectifs du service espace vert. Il se compose en 2022 de 47 agents, mais avec 5 départs en retraite non remplacés. Il a également été évoqué des arrêts maladie au sein des effectifs actuels. Et je pense qu'il conviendrait de donner aux agents des moyens de travailler dans des conditions satisfaisantes et dans un climat sain. C'est aussi une des revendications des agents de la collectivité lors de la grève historique qu'ils ont menée il y a plusieurs semaines. Et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération. Merci. Monsieur Dupuis. À moins qu'il y ait d'autres interventions. Ah, oui, Madame Marchais. Juste une très rapide pour m'associer à ce qui vient d'être dit par mes collègues. Merci beaucoup. Monsieur Dupuis. Très bien. C'est, au moins, ce qui est sympathique, c'est qu'on va finir sur une bonne discussion sur la 9e délibération. Voilà. Alors, premièrement, au niveau des agents, afin de clore, en 2019, il y avait 48 agents et que je ne sache que les jardins et les espaces verts étaient mal entretenus. Aujourd'hui, on se retrouve avec 47 agents. Dans les 47 agents, c'est le fait qu'effectivement, un certain nombre d'agents sont arrivés à la retraite et sont partis sur l'année 2022. Mais ce qui veut dire que par rapport à 2019, on est quasiment à même équilibre. Lorsqu'on a une demande, elle est faite par le service, c'est-à-dire ça n'est pas nous qui initions le marché, c'est à la demande du service qui participe à ce qu'on appelle un DQE, c'est-à-dire un détail quantitatif estimatif des besoins qu'il a. Il crée donc un marché fictif dans lequel il demande à des prestataires de se positionner sur un certain nombre d'éléments qui ne seront pas forcément exécutés. C'est ce qu'on appelle un DQE par rapport à un bordereau de prix unitaire. C'est vrai que le DQE qui a été demandé était relativement important. Il représentait beaucoup de prestations, mais à aucun moment ces prestations n'ont une obligation d'être faites. C'est un marché à bon de commande. Donc c'est exactement ce que réclame Madame English, c'est un marché à bon de commande. Et pour avoir un marché à bon de commande, on est obligé d'avoir, par définition, un marché qu'on va pouvoir, après, exécuter au fur et à mesure des demandes du service. Aujourd'hui, il est excessif, c'est vrai, mais c'est moi-même qui en ai parlé et qui vous ai alerté. Sauf que on ne peut pas dépenser plus que ce qui est mis au budget. Au niveau du budget, on a passé 55 000 et on a prévenu le fournisseur que c'était un marché sans montant minimum, que ça n'était qu'un montant maximum évalué qu'on n'atteindra jamais. Aujourd'hui, le déclarer nul, c'est se priver d'un bon prestataire qui, relativement par rapport au marché, a fait des prix intéressants et c'est une prestation dont a besoin le service. Elle émane du service et c'est le service qu'il demande. Et le montant du budget qui a été acté actuellement est de 55 000 hors taxes.
Il n'y a pas de raison de se priver de la possibilité dans la mesure où, juridiquement, on a fait vérifier que le marché est bien conforme. C'est pour ça qu'à l'origine, je l'avais suspendu afin de vérifier que toutes les conditions étaient bien respectées. Ensuite, je me permets de m'élever contre le fait qu'il n'y a jamais eu l'unanimité. En commission des finances, on s'exprime. On donne une opinion et c'est le président qui, après, prend la décision. Était présent Bruno Denis et je ne pense pas qu'il me contredira. Il n'y a pas eu l'unanimité. Il y a eu des échanges. Ça a posé problème. Les problèmes ont été pris en considération et le marché est représenté parce qu'il est tout à fait conforme et inattaquable. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Bruno Denis. Oui, quelques mots. Le quasi est un morceau de viande qui est extraordinairement bon, mais quand on parle effectivement de délibération en quasi-unanimité, il y a deux solutions. Soit on a une unanimité, soit on n'en a pas. Et quand on dit qu'on a une quasi-unanimité, c'est qu'on n'a pas eu d'unanimité, premièrement. Deuxièmement, quand on ne vote pas, il ne peut pas y avoir d'unanimité. Troisièmement, ce qui s'est passé en commission, c'est vrai, j'en suis témoin, c'est que le président a décidé de retirer cette délibération. On est tous d'accord. Il l'a retirée. Après, effectivement, je l'ai vu réapparaître. Alors, je me suis renseigné. Et en réalité, si on regarde bien le détail qui a été fait, c'est qu'on avait une demande sur des bons de commande dans une limite qui a été fixée budgétairement avant, dans le cadre de la demande des services, si je ne me suis pas trompé, à 55 000 euros. Donc, de toute façon, on est bon, puisque quand vous avez 220 000 que vous divisez par 55 000, Madame Boyer, je vous regarde, parce que ça doit faire à peu près, effectivement, 55 000 euros. Et donc, on est engagé, effectivement, sur une somme de 220 000 euros annuels pendant une période d'une année renouvelable sur 3 années, mais dans une limite maximum de 55 000 euros qui peut se faire par bon de commande. Donc, de toute façon, on est effectivement revenu sur la base de départ qui nous a tant animé pendant notre débat lors de la commission finances. Voilà ce que je voulais dire. Et dernier mot. Je ne pense pas que voter contre de la part de l'opposition, ce soit une bonne chose, en tout cas pour nos services. Parce que si on veut les aider, ce n'est pas effectivement en retirant cette délibération ou en refusant de la voter qu'on va se retrouver avec des services en capacité de pouvoir effectivement le traiter. Donc on va avoir deux problèmes. C'est qu'on soit on ne fait pas les travaux, ça va être un véritable bazar au niveau du printemps qui arrive. Si on retire la délibération, on ne pourra pas la remettre en œuvre avant à peu près 4 mois. Donc on va se retrouver dans la même situation. Et enfin, si on ne la vote pas, il va falloir aller expliquer, mais ça je vous laisserai le soin de le faire, aux services que finalement on a décidé de ne pas voter pour les aider effectivement à faire leur travail parce qu'ils ont des problèmes au niveau des absences, au niveau des maladies, au niveau des retraites. En tout cas, moi, j'irai pas. Je vous laisserai le soin de le faire. Merci, monsieur. Madame Garon. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, moi, je suis un peu embêtée aussi, je vous avoue, avec cette délibération par rapport à pas mal d'arguments qui ont été annoncés ce soir. Mais tout d'abord, pour moi, il n'y a pas de débat sur la nécessité ou pas d'apporter un soutien au service des espaces verts. Nous avons des agents dans ce service qui réalisent un travail d'excellence, comme le témoignent les nombreuses récompenses que nous pouvons régulièrement recevoir au niveau de la ville. Nous avons également souligné qu'avec l'augmentation du nombre d'espaces à entretenir, et malgré la révision des pratiques, nous avons une nécessité indispensable de soutenir ce service, ne serait-ce que pour maintenir cette qualité. Mais la retenue que moi je vais avoir par rapport à cette délib, s'exerce bien au niveau du seuil et du besoin, parce que pour moi il y a les besoins ponctuels et le besoin structurel. Et je pense que voter une délibération avec, du coup, un bon de commande à seuil, et on est d'accord, c'est nous qui sommes censés vérifier les enveloppes, jusqu'à 220 000 euros par an pour externaliser une prestation, ne me paraît pas raisonnable quand les besoins du service sont clairement à 55 000 euros par an. Et je ne voudrais pas qu'en votant cette enveloppe, ce soit une porte ouverte vers une externalisation qui soit plus fonctionnelle que conjoncturelle. Et donc, je vais m'abstenir, moi, sur cette délibération. Et j'ai appelé les services, ils le savent, et ce n'est pas que je ne les soutiens pas. Et là où, monsieur Denis, je ne serais pas complètement d'accord avec vous, mais c'est que, du coup, même si on repoussait de 4 mois jusqu'à présent, il s'en était sorti. Je pense qu'on aurait pu faire les choses comme ce dont on avait discuté tous ensemble en commission. Voilà, après, on est libre tous d'avoir un avis différent, et le mien est celui-ci ce soir. Merci beaucoup. Madame Boyer. Oui, donc pour aller dans le même sens qu'Annabelle Garon, je l'ai souligné tout à l'heure, hein, je sais très bien qu'il y a des besoins et que ça peut être des besoins ponctuels. Et donc effectivement, si nous avions 55 000 euros renouvelables, ça pourrait s'admettre. Mais là,
on vote 264 000 euros. Et on a beau me dire que ce ne sera que 55 000 euros, j'en ai pas la preuve. Donc moi, s'il y a un dépassement, je me dirais, ben, finalement, j'avais voté 264 000 euros. Donc ce n'est pas du tout dire aux services qu'on ne se préoccupe pas d'eux. Et je suis d'accord, c'est ce qu'on avait plus ou moins convenu, qu'il n'y avait pas une urgence qu'on pouvait repousser de 4 mois cette délibération. Donc voilà. Monsieur Giraud. Renaud, excusez-moi. Monsieur le maire, je suis membre de la commission d'appel d'offres. On avait voté favorablement. Et je m'aperçois ce soir qu'il y a un certain nombre de difficultés à la lecture de cette délibération. Alors, comme disait Nicolas Boileau, qu'on soit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Visiblement, il y a une petite difficulté à comprendre cette délibération. Et je me mets à la place de nos concitoyens baulois qui écoutent le conseil municipal, qui doivent se poser peut-être quelques questions. Et je me demande en toute sagesse s'il ne serait pas bon quand même de sursoir pour l'instant cette délibération pour quelque temps. Merci. Monsieur Plouvier. Une intervention très courte et très pragmatique. Je suis membre de la commission d'appel d'offres. On en avait discuté. J'étais présent à la commission des finances. Il n'y avait pas d'unanimité sur le sujet. Moi, je voudrais juste attirer un sujet. C'est que si on avait déclaré le marché infructueux, on partait pour 4 mois et on prenait 1 500 euros de frais supplémentaires pour la ville. On a ici tous conscience qu'on a un budget, qu'on a voté. On n'ira pas à l'encontre de ce budget, donc on n'aura pas de dépassement budgétaire et on tiendra sur les marchés qui sont fixés, clairement, et on ne dépassera pas les 55 000 euros. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je voudrais dire que pour ceux et celles qui nous écoutent, ils peuvent peut-être se demander pourquoi on n'a pas écrit 55 000 euros. Alors, moi, je peux vous répondre. Oui, monsieur Plouvier. Excusez-moi. Je peux vous répondre. En fait, il y a deux services. Il y a le service des espaces verts qui a préparé sa demande et qui a effectivement dit qu'ils avaient besoin de 55 000 euros. Et il y a le service des appels d'offres de Cap Atlantique qui a préparé le marché. Et en fait, eux ont compris que c'était un marché à 220 000 euros annuels. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Jacques Renaud, et ensuite je vais redonner la parole à Monsieur Dupuis. La dernière phrase de Bertrand Plouvier, admettons quand même que c'est quand même nébuleux, quoi. Franchement, c'est quand même nébuleux. Merci, Monsieur Dupuis. Je rappellerai seulement que par rapport à cet appel, on a eu de la part d'IDVRD un tarif exceptionnel qui était 50% moins cher que les autres prestataires. Or, il ne faut pas oublier qu'on obtient un prix en fonction d'un moment donné. Aujourd'hui, 4 mois après, rien ne prouve que la société IDVRD sera prête à refaire le même tarif. En 4 mois de temps, il se passe des tas de choses. Merci, d'autant plus que je rappelle que légalement, rien ne s'oppose à cette délibération. Il n'y a pas d'erreur juridique de fait. Merci. Merci. Oui, Xavier Lecaille. Alors moi, c'est juste une petite observation. On a des services qui sont vraiment assez compétents dans tous les domaines. Je suis juste un peu surpris de voir qu'on ait si peu de jeunes en formation. On a des services qui ont vraiment des compétences avec un savoir-faire. On a des personnes qui arrivent à un âge où, en fin de compte, il serait peut-être bon à passer la main, c'est-à-dire de pouvoir former des plus jeunes. Et je suis assez surpris, mais ça a été une discussion, et assez surpris qu'on ait peu d'apprentis. Bon, je crois qu'on en a 2 sur l'ensemble du personnel de mémoire. C'est vrai que c'est peu, alors qu'on pourrait justement former et pouvoir passer le témoin. C'est juste une observation qui sort un peu du débat, mais voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. 2-3 remarques quand même, parce que d'abord la première sur la forme. Je constate que nos commissions ne sont pas seulement des chambres d'enregistrement, qu'il y a des vrais débats, et tant mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est sûr qu'on est une ville jardin au bord de l'océan, et on le dit souvent, on en est fiers, et que c'est un coût. Et souvent, on nous demande des espaces verts supplémentaires. Moi, je le vois, par exemple. Dernièrement, vous avez vu ce qui a été réalisé justement par cette entreprise sur le pont Chevrel. C'est un espace supplémentaire à traiter. Il y a notamment l'avenue de la de Tassigny, où il va y avoir aussi de la végétalisation. C'est un espace aussi à traiter. J'ai vu hier le directeur des services des espaces verts, et au fur et à mesure du temps,
bien évidemment, ça cumule des demandes supplémentaires pour pouvoir gérer l'ensemble de ces espaces verts. Ce qui est une bonne chose, parce que je pense que les Bauloises et les Baulois nous en sont gré. Ils trouvent que notre ville est belle et ils ont bien raison, parce que c'est vrai qu'elle est très bien entretenue. Donc de ce fait-là, il est évident. Alors après, sur le budget, c'est très simple. D'abord, vous votez le budget. Donc vous verrez si on a dépensé 55 000 euros ou si on a dépensé plus. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez très clairement dire que vous n'êtes pas d'accord. Et c'est ce qui est déjà arrivé, parce que je crois, Madame English, que vous avez voté contre le budget l'année dernière, notamment pour renforcer les effectifs de notre mairie. Donc il est important aussi qu'on ait, à un moment donné, je dirais, la possibilité de pouvoir externaliser sur certains sujets, notamment sur un service qui en a bien besoin, et ça vous avez raison, qui a des difficultés de recrutement. Et Xavier Lequiré a raison de le souligner, c'est pas simple aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité, mais notamment dans ce domaine d'activité, de trouver du personnel compétent et même disponible pour pouvoir exercer dans le service public plutôt que parfois dans les entreprises privées. Parce qu'on est dans une période où les gens choisissent parfois plus les entreprises privées que le service public. Oh, c'est une mode. Ne vous inquiétez pas, il y a des moments où ça reviendra, on sera plus séduisant. Mais c'est vrai que le climat économique amène à travailler un peu plus dans les entreprises privées. Voilà ce qu'il en est. Donc écoutez, je propose qu'on mette aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci beaucoup. La délibération est adoptée. Alors, nous allons passer aux questions diverses, s'il y en a. Madame Rival. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, moi, c'est des petites informations, mais qui sont importantes pour vous tous et puis pour les commerçants de la ville de La Baule. Nous sommes vraiment très, très contents du groupe Podelia, vous savez, qui va prendre possession du camping municipal. Donc, les premiers mobil-homes arrivent mi-avril. Les travaux ont commencé au niveau... Il y a eu des élagages d'arbres faits, justement, par les services des espaces verts, et très bien faits. La conformité va être à faire bientôt, mais je crois qu'on tiendra nos délais, Laurence, pour y mettre nos saisonniers. Je voulais aussi vous parler, parce que ça y est, on aura notre conseil, le prochain conseil fin avril, mais mi-avril, ça y est, Xavier a signé les arrêtés. Nous allons commencer le désamiantage en partant de l'avenue de Lyon, sur le Ramblais, sur la promenade de mer, pardon. Je ne sais plus jusqu'à quelle, Sophie, tu peux peut-être m'aider, je ne me rappelle plus jusqu'où on va, je t'en ai parlé tout à l'heure. Et là, c'est quand même un budget de 800 000 euros pour... c'est un gros budget aussi, mais ça y est, l'émissaire en mer est fait, l'avenue de Lyon, tout est propre. Et maintenant, nous partons, nous commençons de mi-avril à fin juin, nous serons sur la promenade de mer côté voirie. Voilà, c'était pour vous informer, parce que tout le monde attend. Quand est-ce que vous partez ? Bon, nous n'avons pas encore la réponse de monsieur le préfet, mais nous l'attendons bientôt, normalement, dans la semaine prochaine, on devrait l'avoir pour savoir si nous restons à 0,50 avec une autre solution, vous savez, pour notre péret, là, ou à 1,50 m. Voilà, donc j'espère de tout cœur, je croise les doigts, moi aussi, pour que le travail de CEREMA, un service qui travaille avec les services de l'État, conforte tout ce qu'on a exposé à monsieur le préfet, à monsieur le sous-préfet, et que nous nous sommes battus avec monsieur le maire, avec les services, et puis avec Sophie, pour bien démontrer que c'était un mur de soutènement, c'est pas une digue, mais on ne démord pas sur ce sujet-là. Maintenant, voilà où je suis très contente de voir partir les travaux, monsieur le maire. Merci. Ils sont même déjà bien partis. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, madame English. Merci, monsieur le maire. Alors, effectivement, j'ai quatre questions, monsieur le maire. La première a trait à la sécurité publique. La salubrité, pardon, publique. Certains habitants baulois m'ont parlé d'une page Instagram intitulée « La Baule Guide » qui a été créée le 5 mars dernier. Cette page dénonce les problèmes de propreté sur la commune. De nombreuses photos et de nombreux exemples sont donnés de déchets présents à l'étier. Cette personne indique avoir contacté à de nombreuses reprises la collectivité sans retour et précise ne pas voir d'autre solution que de communiquer publiquement pour être entendu avec des hashtags « Vivre au pays des déchets ». Quelle réponse peut-on apporter à cet habitant baulois sur les problèmes de salubrité et de propreté publique dénoncés ? C'est ma première question. La seconde, elle porte sur le projet de territoire.
Le projet de territoire de Cap-Atlantique est un document majeur qui coordonne et met en cohérence les politiques publiques engagées par la communauté d'agglomération de Cap-Atlantique et propose un fil rouge à l'ensemble des communes membres. Il a été voté à l'unanimité des élus communautaires. À la suite de cela, il devait être présenté lors des conseils municipaux des différentes communes concernées. C'était par exemple le cas à Mesquer le 21 novembre 2022, à Saint-Molf le 15 novembre. La seule commune qui n'a pas reçu de représentant de Cap-Atlantique est celle de La Baule. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi il n'a pas été présenté aux Baulois dans le cadre d'un conseil municipal ? Troisièmement, une question relative à la promenade de mer. La promenade de mer est présentée à juste titre, comme l'ambition de cette mandature. Pourriez-vous nous indiquer si le permis d'aménager le front de mer a été obtenu ? À défaut, quelle est l'échéance ? Par ailleurs, qu'en est-il du coût réel du projet ? Annoncé initialement à 34 millions d'euros hors taxes, on sait aujourd'hui que l'enveloppe budgétaire sera bien supérieure. Pourriez-vous aujourd'hui nous donner une fourchette ? De plus, la ville a fait appel à un cabinet privé pour rechercher des subventions. Quel est le résultat aujourd'hui de ce cabinet privé ? Le dossier de subvention relatif au fonds vert a-t-il été déposé et accepté ? Quatrième question, elle a trait au climat social. Nous avions évoqué lors du conseil municipal du 16 décembre dernier le climat social au sein de la collectivité à la suite d'un mouvement des agents inédit. Les agents dénonçaient un mépris, un management autoritaire, une dégradation des outils de travail. En mairie, ce matin, se trouvait affichée une plainte pénale d'un syndicat, la CFTC, à l'encontre d'un élu de la majorité, faisant suite à des propos tenus en conseil municipal lors de la séance du 16 décembre 2022. J'ignore si cette plainte a effectivement été déposée ou si elle est en passe de l'être. En tout état de cause, la présomption d'innocence s'applique. Mais c'est une situation inédite au sein de la collectivité. Si les faits sont effectivement poursuivis et que l'auteur de ces propos est reconnu coupable pénalement, Monsieur le maire, inviterez-vous l'élu concerné à démissionner ? Au-delà de cet événement, le climat social au sein de la collectivité est très loin de s'apaiser. Le déroulement des commissions s'en trouve impacté. J'ai personnellement assisté à un incident en commission commerce, calmement géré par la présidente. Après le départ de l'agent concerné, Monsieur Appert a demandé à ce que des excuses soient présentées à l'ensemble des membres de la commission. En ce qui me concerne, élu de minorité, je n'ai pas reçu d'excuses. Monsieur Appert pourra très certainement nous fixer ce soir sur le point de savoir si des excuses ont été présentées aux élus de la majorité. Cet événement ne semble pas avoir donné lieu à une action de votre part, ni à votre adjoint aux ressources humaines, notamment sur le plan disciplinaire. Que comptez-vous faire ? La situation devient humainement difficile. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous propose que chacun réponde dans son domaine de compétences. Moi, je veux bien vous faire une réponse plus globale, Madame English. Faut pas trop regarder les réseaux sociaux, je vous le dis tout de suite. Méfiez-vous, parce que c'est pas toujours la vérité vraie, comme on dit, comme disent les plus jeunes, et que à chaque fois qu'il y a des demandes sur les réseaux sociaux, on y répond systématiquement. Donc je ne connais pas ce site, et je souhaite pas lui en faire la publicité encore plus. Mais voilà, ça c'est la première chose. Sur le projet de territoire, il y a des élus de Cap-Atlantique autour de la table. Vous ne faites pas partie, mais dans l'opposition, il y en a certains. Donc ils savent, ils connaissent le sujet. Si le président de Cap-Atlantique veut venir sous une forme ou sous une autre présenter le projet de territoire, j'en serais ravi. Mais aujourd'hui, le projet de territoire, il est discuté et toutes les communes n'ont pas reçu, bien évidemment, n'ont pas discuté au sein de leurs conseils municipaux le projet de territoire. Troisième chose sur la promenade de mer. Mais vous savez qu'il y a une commission qui se réunit régulièrement, il y a autant l'opposition que la majorité. Donc si vous n'êtes pas informé, il faudrait que vous parliez avec vos collègues, parce qu'ils vous tiendraient informé de ce qui se passe, et vous verrez les évolutions. Et je peux vous dire que là aussi, ce n'est pas une commission Théodule, c'est une commission dans laquelle il y a des débats sur notre stratégie, aussi bien économique, financière, architecturale. Donc c'est dommage, vous n'êtes pas souvent là, mais vous verriez que ces débats-là, ils ont lieu et ils sont tout à fait passionnants. Alors en tout cas, demandez à vos collègues au moins de pouvoir vous reporter ça. Et puis franchement, sur le leçon de droit social et sur la leçon de droit, vous devriez être un peu plus modeste. En tout cas, en l'occurrence, une organisation syndicale, elle fait ce qu'elle a à faire. Et moi, je ne rentre pas dans les gestions des commissions. Ce n'est pas mon rôle. Il y a des présidents de commission et c'est eux qui gèrent leur commission
Le maire n'intervient pas dans les présidents de commission. Et c'est très bien que les commissions soient animées, ça veut dire que c'est la démocratie qui vive et qui est intéressante. Donc voilà ce qu'il en est. Je ne sais pas si certains de mes collègues veulent répondre. Madame Rival. Oui, moi je voudrais répondre sur la promenade de mer et puis sur les subventions fonds verts et le permis d'aménager. Donc déjà, je conforte les propos de monsieur le maire, puisque en ce qui concerne le COPIL, le comité de pilotage avec les élus, Jacques Renaud est présent, madame Boyer est présent, il y a quand même beaucoup d'élus autour de cette table. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas de langue de bois, c'est aussi moi, je vous explique au maximum tout ce que je peux vous donner comme élément. Donc, madame Inglis, rapprochez-vous de monsieur Jacques Renaud, parce que je vous assure que je ne cache jamais rien. En ce qui concerne le permis d'aménager, effectivement, nous avons déposé un permis d'aménager où j'ai fait au moins 50 signatures, Phytolab aussi. Ça nous a pris beaucoup de temps. Il est parti dans les services de l'État, mais il s'avère que le nouveau préfet qui est arrivé ne pouvait accepter de signer ce permis d'aménager tant qu'il ne comprenait pas le problème de nos demandes de 1,50 m au lieu de 0,50 m. Parce que faut savoir une chose quand même, c'est que c'est sur cette première tranche, c'est ce qui va nous coûter le plus cher avec le Perret, puisque ça va dépendre aussi de la solution que les services de l'État nous donnent. Et ça, tout le COPIL le sait, puisque je l'ai souvent dit, je l'ai souvent expliqué, même beaucoup d'élus, je vous l'ai expliqué aussi. Et en ce qui concerne la demande de subvention de fonds verts, sachez d'abord que les subventions au niveau de l'Europe, c'est très, très difficile et j'admire les agents là-dessus, puisque c'est très, très difficile. Il y a toujours des points, des virgules qu'il faut aller... Enfin, il faut toujours mettre beaucoup, beaucoup d'informations. La région nous aide beaucoup. Il fallait commencer de... Madame Ponceau pour me reprendre sur ça, mais il me semble qu'il fallait commencer les travaux pour pouvoir commencer à toucher les subventions européennes. Donc, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais de toute façon, il nous faut des dépenses. Il faut qu'on fasse des travaux aussi pour toucher les subventions européennes. Donc, vous inquiétez pas, madame Iglis, on fait notre travail consciencieusement. Et quant au coût de la promenade de mer aujourd'hui, moi, je peux pas vous le donner. On connaît pas les solutions qui nous attendent en fonction de ce que nous demande l'État. Mais vous inquiétez pas, on n'a rien à vous cacher. Et on travaille durement sur ce dossier. Donc, comment vous dire, ça me désole un peu quand j'entends ça. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, monsieur Le Quéré. Je vais apporter une petite précision sur la question sur les déchets, parce que ça me surprend un peu. Enfin, ça me surprend à deux titres. C'est d'une part parce qu'on a des agents qui sont tous les jours à pied d'œuvre. On a des phénomènes météo, un peu plus de vent, choses comme ça, ils sont obligés de passer régulièrement. C'est pour ça que je suis très, très surpris de ce genre de réflexions qui sont sur les réseaux. Je ne connais pas du tout ce réseau, bien évidemment. Par contre, j'invite ce monsieur à prendre contact avec mes services, et auquel cas je pourrais le rencontrer, parce qu'il est assez rare que je refuse un entretien à un Baulois ou une Bauloise sur des sujets divers et variés. Donc en tout cas, je vous dis sincèrement que la ville est propre et on a surtout un degré d'exigence, et les agents ont un degré d'exigence sur la propreté sur la ville. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la majorité qui veulent répondre aux questions ? Madame English. Merci, monsieur le maire. J'avoue ne pas très bien comprendre la réaction de madame Rival. Ma question sur le remblai ne me semblait pas agressive et j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de travail de fourni. J'ai simplement demandé quelle était l'enveloppe budgétaire, puisque tous les Baulois ne siègent pas au COPIL. Et si les subventions avaient été... le dossier de subvention avait été déposé. Il n'y a strictement aucune agressivité dans ma question et il me semble que la réponse intéresse tous les Baulois. Sur le fond, je note que si ce n'est monsieur Le Quéré, personne n'a répondu à mes demandes. Merci. Monsieur Jacques Renaud. Merci, monsieur le maire. Comme j'ai été cité nommément dans ce conseil municipal, je souhaite quand même dire quelques mots. D'abord, monsieur Jacques Renaud, il rapporte toujours les éléments à ses collègues de la minorité quand il participe aux commissions et au comité de pilotage, bien évidemment. Vous n'imaginez pas que moi, je cache des informations à mes collègues. C'est pas du tout mon style, comme tout le monde le sait. La deuxième chose, c'est pas parce que j'ai déjà dit une fois, il y a quelques conseils municipaux, je crois que c'était à fin d'année, c'est pas parce qu'il y a des questions qui se posent en commission ou en COPIL qu'on ne peut pas les reposer en conseil municipal de façon à ce que tous les Baulois aient des éclaircissements
de la part de M. le maire, qui peut en donner, ou de part des adjoints ou d'autres conseillers municipaux. Donc, il ne faut pas tout de suite monter dans les tours quand on pose des questions. Je ne pense pas que c'est utile, c'est simplement parce que, devant l'ensemble des Baulois, il est intéressant parfois d'avoir des réponses peut-être plus claires par les gens de la majorité. Bon, écoutez, on connaît les attitudes quand c'est publié ou quand ça ne l'est pas. Ou quand c'est diffusé. Bon, enfin bref, je pense que aujourd'hui, on est toujours d'abord dans le même étiage au niveau budgétaire, comme vous le savez, en attendant bien évidemment les conclusions de l'État qui s'est déplacé personnellement, je tiens à vous le rappeler, on a été très sensible à ça, parce que le préfet, un de ses premiers déplacements, le nouveau préfet, un de ses premiers déplacements qu'il a effectué dans les communes de Loire-Atlantique, et même des Pays de la Loire, ça a été la Baule, pour aller voir le projet lui-même et voir les enjeux et à la fois visiter. Les établissements sous encorbellement qui, notamment, posent problème au niveau de la réfection. Vous voyez, donc, les choses sont parfaitement suivies. Et sur le reste, franchement, je pense que qu'il y ait des échanges dans les commissions, moi, je trouve ça que c'est une très bonne chose, que les commissions soient dynamiques, et c'est vraiment des choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Appert. Oui, monsieur le maire, écoutez, j'interviens aussi parce que j'ai été directement interpellé sur le sujet. Je suis d'accord avec vous, effectivement, il est très intéressant que les commissions soient animées. Maintenant, je voulais simplement préciser, effectivement, à ma collègue que non, je n'ai pas reçu d'excuses quant à l'attitude envers laquelle j'ai été assez choqué la dernière fois en commission. Voilà. Merci beaucoup. Autre question, monsieur Bruno Denis. Oui, juste, ce n'est pas des questions, ce sont des informations, puisque je vois que certains ne sont pas toujours informés du rôle que nous jouons chacun à travers nos fonctions électives. Vous m'avez fait le plaisir de me déléguer au CIVU du CNBPP. Ça passionne sûrement beaucoup de monde, et peu de monde me demande des renseignements à ce sujet. Donc je me suis dit, ce soir, je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour pouvoir informer ceux qui ne sont au courant de rien, et au moins qui pourront parler en connaissance de cause. Je rappelle que la commune est avec la Baule, le Pouliguen et Pornichet, donc membre du CIVU du Port et membre du CNBPP. En ce qui concerne le CIVU du Port, je laisserai monsieur le maire faire les relations de nos débats lorsque nous en avons, puisque je siège à ses côtés. Par contre, pour le CNBPP, je siège avec notre collègue Christophe Mathieu et en suppléante avec Sophie Douchin. Donc avant-hier soir, nous avions une réunion. C'était le débat d'orientation budgétaire. Je voulais dire, pour rassurer tout le monde, que la situation est bonne. Voilà. La situation est bonne et elle est orientée en fait vers l'entretien d'un patrimoine quand même qui est relativement important, puisque ce sont les locaux du CNBPP. Et j'insiste là-dessus parce que c'est un immeuble qui est important, un immeuble qui est quand même exposé beaucoup aux phénomènes climatiques et un immeuble qui se doit d'être entretenu parce que nous avons des jeunes Baulois notamment qui y vont, qui sont formés à la navigation, et nous avons également des champions qui sont entraînés au sein du CNBPP, d'où l'importance d'une part de siéger bien évidemment, et d'autre part de participer activement au débat d'orientation budgétaire pour que nous puissions contrôler quand même ce qui est la contribution des concitoyens baulois. J'attire l'attention également de tous nos collègues sur le fait qu'il va y avoir un projet très intéressant développé par le CNBPP, à savoir un projet en 10 voiles. Il finance un bateau, plus exactement puisqu'il s'agit de la mer, d'un navire qui doit arriver prochainement. Ils nous ont interpellés avant-hier soir sur le fait qu'ils souhaitent obtenir une contribution financière des villes partenaires. J'ai indiqué que j'allais soutenir ce projet, sachant que ce navire en 10 voiles, qui sera donc, comme vous vous en doutez, destiné à favoriser et à faire découvrir la voile à toutes les personnes handicapées, eh bien, ce voilier doit arriver en mai-juin, et l'inauguration est prévue le 11 juin 2023 dans notre port de la Baule, le Pouliguen. Voilà ce que je voulais dire pour vous rendre compte de mon intervention au CIVU du CNBPP, sachant que la prochaine réunion a lieu le 13 avril. Merci beaucoup. Oui, madame Lamy. Oui, j'aurais préféré prendre la parole en dernier parce que c'est un peu hors conseil municipal. Je voulais juste profiter de ce qu'on soit là. J'en ai parlé avec Bruno Denis avant le conseil pour rendre un hommage à Marie-Vonne de Nigaud,
qui nous a quittés en toute discrétion au début du mois, qui avait fait 3 mandats avec Yves Météraud, les 3 premiers, qui était présidente du comité de jumelage, qui a fait énormément de travail pour l'éducation, puisque c'est surtout à cette occasion que je l'ai rencontrée. Donc je souhaitais noter qu'elle nous avait quittés très discrètement, mais qu'elle méritait ce petit hommage. Merci. Merci beaucoup. Merci pour elle. Madame Leroux. Juste pour compléter, parce qu'effectivement, nous connaissions bien avec Dany Lamy. Elle était présidente du comité de jumelage. Et pour lui rendre hommage également, rappeler cette histoire qu'elle était membre du comité de jumelage présidente, parce qu'elle avait une maîtrise de la langue anglaise qui faisait désespérer le jeune que j'étais à ses côtés. Et lorsque je lui ai demandé comment elle avait fait, elle m'a indiqué c'est tout simple, t'as pas connu la guerre. Moi, j'ai connu la guerre. Et lorsque les Américains sont arrivés, eh bien, ils avaient besoin de quelqu'un. Effectivement, pour faire des traductions, ils m'ont embauché, j'ai traduit, je suis parti après avec eux et j'ai pas arrêté de parler anglais. Voilà, donc finalement, c'est la pratique qui permet de pouvoir parvenir à cela. Ce que j'ai pas fait, je suis resté en Bretagne et je parle même pas breton. Merci beaucoup. Caroline. Merci, monsieur le maire. Alors, nous avons eu quelques informations donc, par rapport au camping municipal, mais beaucoup de commerçants de la Baule, à une semaine des vacances de Pâques, aimeraient avoir des informations quant à l'ouverture du site des logements saisonniers sur le camping et surtout des démarches à suivre. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Laurence Briand sur ce sujet. Oui, alors je souhaite souligner tout d'abord qu'on a entrepris une démarche qui est tout à fait originale. Voilà. Et que si l'entreprise Podelia a un véritable savoir-faire pour la construction de maisons bungalows, c'est la première fois qu'elle investit, je dirais, ce champ qui est différent, qui est de la construction de résidences mobiles de loisirs, RML, j'ai du mal toujours à le mémoriser, et ensuite de gestion d'un site dédié à des saisonniers. Ce qui nous oblige de co-construire avec eux, je dirais, les démarches, et je tiens à remercier le service juridique et le service commerce qui fait un très gros travail pour qu'on arrive à un processus qui soit cohérent et satisfaisant pour tout le monde et qui donne aussi toutes les garanties juridiques. C'est la raison pour laquelle ça prend un petit peu de temps, mais on est en voie d'aboutissement. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Tout d'abord, effectivement, je vous confirme que le loyer pour une personne dans un bungalow qui sera toujours dédié à 2 personnes est de 275 euros et donc que la location mensuelle pour un bungalow pour 2 personnes est de 550 euros, qu'il n'y aura pas de droit d'entrée à payer pour cela, qu'en fait, il y aura une première démarche à faire par le commerçant qui s'adressera au service commerce pour faire une demande de pré-réservation. Pour faire cette demande de pré-réservation, il devra remplir une lettre d'engagement et nous envoyer un chèque de caution d'un montant d'un mois de loyer. Et ensuite, il sera caution par rapport à son saisonnier. Le contrat de location en lui-même sera contractualisé avec le saisonnier. Voilà, je dirais, pour le dispositif, pour essayer de servir le mieux tout le monde. Parce qu'en fait, si vous voulez, à ce jour, on a déjà des demandes de nos différents, je dirais, professionnels de logement pour 137 saisonniers. Bon, vous voyez un peu. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on travaille sur l'opération Podelia, mais comme vous avez pu le voir, on travaille sur l'opération aussi Un toit pour mon saisonnier, avec aussi une très forte implication du service commerce que je remercie tout particulièrement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, avec Un toit pour mon saisonnier, on a déjà pu loger déjà 5 saisonniers. Donc, on travaille sur ces deux éléments. Et donc, par rapport à l'ensemble de cette démarche, on attend les derniers éléments contractuels que doivent nous faire parvenir Podelia, normalement, la semaine prochaine, c'est-à-dire la lettre d'engagement, le contrat de location, donc tous ces éléments-là, pour pouvoir les faire parvenir aux personnes qui se seront signalées au service commerce. Pour pouvoir servir la totalité, je dirais un peu, et avoir une représentativité de l'ensemble des demandeurs, on a mis effectivement un nombre de places réservées selon 5 grandes professions, un grand groupe hôtelier, les hôteliers indépendants, les restaurateurs, les commerçants et les pompiers. Voilà, et on a essayé d'être équitable au regard de la représentativité et du nombre d'acteurs que l'on a sur la Baule. Alors, normalement, à la mi-juin, nous aurons les 31
logement opérationnel. Donc là, aujourd'hui, on part sur une première tranche qui serait à partir de la mi-juin jusqu'à fin septembre, voire plus si les personnes le souhaitaient. D'autres questions ? Non ? Voilà. Merci. Alors, je dis seulement qu'on ne se précipite pas, on attend d'avoir les documents contractualisés juridiques de manière à ce qu'on puisse les adresser et qu'ensuite c'est la date d'arrivée qui donne la hiérarchisation de la priorisation et la date d'arrivée du dossier complet. Et on joint le service commerce, voilà, qui après repasse le dossier à Podelia. Je voudrais souligner que cette opération, elle est innovante à deux titres. J'en ai parlé avec la ministre en charge du tourisme, qui était très intéressée par ce sujet. Elle est innovante à deux titres. D'abord parce que, bien évidemment, c'est un camping municipal qui est destiné à être des logements saisonniers, ce qui est quand même une innovation en France. Je crois qu'on est la seule ville en France à faire ça. Et puis c'est une autre innovation qu'on a oubliée. C'est sans doute la plus belle opération de renaturation dans le département. Je vous rappelle quand même qu'il y a la disparition d'une piscine et qu'on redonne à la nature ses emplacements. Et ça aussi, c'est une opération qui nous permettra peut-être justement d'avoir des aides de l'État, parce qu'en l'occurrence, ça rentre dans certaines conditions. Mais j'insiste aussi là-dessus, c'est à la fois une opération bien évidemment économique pour soutenir nos professionnels du tourisme, mais c'est aussi une opération écologique et environnementale, parce qu'on redonne à la nature ses espaces, ce qui n'était pas le cas. Je vous rappelle que c'était une piscine qui avait été construite il y a une vingtaine d'années, qui était bien évidemment en mauvais état, et donc on va redonner ces espaces-là aux espaces verts, justement. Donc je pense qu'à deux titres, c'est vraiment une très belle opération, et je remercie vraiment Laurence Briand et puis toute l'équipe du service commerce de s'occuper de gérer la demande qui, bien évidemment, rencontre un succès phénoménal. Monsieur Appert. Oui, merci, monsieur le maire. Peut-être pour finir sur une note un petit peu plus festive, je voulais vous annoncer qu'on allait avoir à la Baule le premier festival de l'humour qui va se tenir le 29 et 30 avril. Voilà. À cette occasion, le Palais des Congrès et l'organisatrice de ce festival souhaitaient convier l'ensemble des membres du conseil municipal à venir assister à certaines de ces représentations. Donc, comme à l'habitude, on s'organisera avec le cabinet pour pouvoir vous donner accès. Et j'espère que ça sera l'occasion de tous profiter d'un moment de bonne humeur. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Appert. Surtout que, franchement, il y a encore de belles surprises de la part du Centre des congrès et des festivals Jacques Chirac Atlantia, vous verrez dans les semaines à venir. Madame Garon. Oui, alors, moi j'avais deux petits points d'actualité, je reviens sur le développement durable. Pour vous dire que la MCRN, notre mutuelle sociale communale, maintenant existe sur notre commune depuis 3 mois. Qu'en 3 mois, nous avons reçu près de 80 Baulois, ça paraît pas beaucoup, mais finalement on est à 2 permanences par mois et on privilégie le temps d'échange de qualité. Sur ces 80 entretiens, on a 65% des Baulois qui contractualisent avec la MCRN. Et donc, a priori, on surfe plutôt sur un succès de ce côté-là, parce que toutes les permanences sont d'ores et déjà pleines jusqu'au mois de juin. Je voulais également vous annoncer que notre orthopédiste traumatologue a pris ses fonctions dans la maison médicale du Bois d'Amour et qu'il a permis également ce bâtiment de s'équiper d'un appareil de radiographie. Donc, si jamais vous vous tordez la cheville, vous pouvez toujours essayer de le contacter, ce sera plus rapide. Et j'ai également le plaisir de vous annoncer qu'il y a un nouveau médecin qui s'est installé sur la commune, qui se situe au cabinet de la forêt, qui n'a pas souhaité venir s'intégrer à la MSP, mais qui, pour autant, vient renforcer l'équipe médicale au niveau de notre municipalité. Et enfin, je voulais faire un petit peu de promotion pour nos jolis cendriers crus 2023. Je fais ma speakerine. Donc, voilà. Vous avez... Alors, on n'arrive pas à les fermer. Alors ça, moi, je ne suis pas responsable de la fabrication du cendrier. Je ferai remonter aux ingénieurs, effectivement. En tout cas, grâce à notre partenaire de la SOR, nous en avons donc 10 000 exemplaires qui sont distribués gratuitement. J'insiste sur le gratuitement, parce qu'il ne faut pas en faire commerce, à l'hôtel de ville, mais également au niveau de nos mairies annexes et à l'office du tourisme. Je vous rappelle que... Certes, ça peut être un objet de collection, mais qu'au départ, la fonction de ces cendriers, c'est quand même des cendriers dits de plage, mais ça marche aussi quand vous allez ailleurs, donc c'est un cendrier de poche. L'idée est bel et bien aujourd'hui de refaire à nouveau passer le message auprès de tous les membres du Conseil, mais aussi de toutes les personnes qui nous écoutent, que sur notre territoire, il n'y a pas de tout à l'égout. S'il vous plaît, je vous en dis. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Sur notre territoire. Non, l'important, c'est ça. C'est que sur le territoire, il n'y a pas de tout à l'égout. Donc, on ne met pas ces mégots dans les grilles d'eau pluviale, sinon ça va directement à la mer. Et donc, chaque année, si on distribue aussi ces cendriers, c'est pour pouvoir rappeler ce message important. Les mégots, c'est un vrai fléau pour l'eau. C'est extrêmement polluant. Et nous le savons tous, actuellement, il y a une tension, tant sur la ressource que sur la qualité de l'eau. Donc nous devons tous être, je pense, à travers et grâce à ces cendriers de poche, messagers de non seulement cette spécificité de notre territoire, à savoir que les eaux pluviales vont directement à la mer, ce qui nous permet également de relever collectivement le défi environnemental majeur que représente du coup la préservation de la ressource et de la qualité en eau. Et comme ça, ça a bouclé avec les propos introductifs. Pas mal. Merci beaucoup, bravo. Au-delà de bien présenter les choses, faire les transitions, c'est l'art du présentateur, c'est de savoir faire les transitions. Monsieur Le Quéré. Alors, je vais me permettre de prendre la parole, merci monsieur le maire, pour simplement faire un clin d'œil à une personne qui nous a quittés dans les services, Nathalie Portrait, qui avait 50 ans, qui s'occupait de tout ce qui était assistance administrative, la régie voirie, travaux, et qui faisait un travail remarquable avec l'ensemble de ses collègues avenue des Cerisiers et avec l'ensemble des collègues aussi de la ville, dans son ensemble. Et elle est partie trop tôt, bien évidemment. Donc c'était simplement un clin d'œil pour vous associer à sa famille, à ses collègues, parce qu'on a une pensée émue pour eux, parce que ça a été très très dur. Et je pense que voilà, il était bon de simplement faire juste un clin d'œil, remercier. Merci. Merci Xavier pour elle et pour sa famille, pour tous ses proches. Écoutez, je crois qu'on a épuisé l'ensemble des questions. Je vous informe que la prochaine séance se tiendra le vendredi 28 avril dans cette salle. Et donc la séance est levée. Bonne soirée à tous.